Si c'est pas beau ça les gars, au quart de tour qui démarre. Même pas encore refait à 9, qui démarre au quart de tour. Putain, il va nous emmener loin lui. Moi je vous le dis, il va nous emmener loin. Donc là on attaque, on va chez mon pote directement parce qu'il a un petit garage, ça sera un petit peu plus... Bon, ça sera mieux qu'ici quoi. Donc pour travailler, il y aura un peu plus d'espace. Et du coup, et puis il a aussi un peu plus de matos. Donc si on a un problème, s'il y a des trucs qui fonctionnent pas ou quoi, bah au moins on est directement sur place. Donc on verra tout ça. Donc aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, tu l'auras compris, dans le Jeep. Et bah tout simplement, les pièces qui sont là, c'est un nouveau moteur. Clairement, c'est un nouveau moteur. On va refaire courroie, les filtres, les vidanges, pont, boîte, moteur. Qu'est-ce qu'on va changer encore? Donc tous les filtres. Le radiateur, on va changer le radiateur. On a un radiateur sur mesure refait à neuf, flambant neuf, nickel, net sur le papier. Du coup, bah, c'est parti, on attaque tout ça et on va vivre ensemble bah, toute la restauration de Brock qui va enfin retrouver sa beauté d'antan. Bon, du coup, avec l'excitation d'arriver et d'être pressé de commencer le 4x4, j'ai légèrement oublié de vous annoncer ce qu'on allait faire là. Donc, tout simplement, quand on est arrivé, on a dans un premier temps nettoyé tout le Jeep, donc passé un coup de karcher sur toute la carrosserie, les jantes et surtout nettoyé le moteur pour y voir un peu plus clair et que ça soit pas crade parce que déjà que on en est mis plein les mains durant toute la restauration, au moins on essaie de faire quelque chose de propre. Donc voilà, petite séquence en même temps que je parle, donc du petit nettoyage de broc qu'on avait bien besoin depuis le temps qui traînait au fond de ma grange. Bon l'équipe, du coup ça y est, tout est nettoyé à peu près. On va démonter toute la face avant pour redonner un petit coup de propre. Et du coup, le cher ami là, bah il est en train de vidanger. Allez, sac de dingue, gamin. Attends, c'est chiant ta merde. Voilà, parfait. Ah, c'est beau. Regardez Ouais. la petite raison du pourquoi on change le radiateur neuf. Garde le calcaire. Ouais, mais s'il met de l'eau dedans, ça chauffe, Il le y a calcaire, il à faisait pas peine pire. un tiers ou un quart du Jeep qui est refroidi. L'eau, elle est brûlante. Une pince et une clé. On vient de mettre le radiateur et puis le ventilo par terre. Du coup, ça fait déjà un petit peu de place. Maintenant qu'on a fini le radiateur, qu'on a fait tomber viscocoupleur, c'est ça, non? Oui, C'est ça. viscocoupleur. Là, on s'occupe de démonter la face avant. Comme ça, on a accès au moteur ici. Un bon nettoyage. On refait un bon nettoyage parce que en dessous, Ouais. ce truc-là, ça a été recollé, c'est ni fait ni à refaire. On doit tout recommencer. Oh, et Et puis ça. ici, bah du coup, ça a coulé, c'est dégueulasse. De toute Donc, façon, tu vois bien clair. On va regarder s'il y a des fuites à on l'intérieur. voit mieux. Et puis, bah c'est nickel. Téma, regarde la courroie. Regardez la courroie, comment elle est belle. Elle est neuve, la courroie. Oh, ça reste. Et puis, puis voilà. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. Ça va, tu vois, quand ça va tomber dessus. Elle marche la clim? J'en sais rien, je l'ai jamais essayé. Ah, au pire, tu iras la faire recharger. De quoi? Pour moi, elle fonctionne plus. J'ai plus le temps. Mais de toute façon, je compte pas mettre. A few moments later. Oh putain, les cons! C'est pas le. C'est le refroidisseur d'huile, ça! Joris le con! Il est vraiment très con! Débarque! Putain, il y a pas de clim en fait! Oh putain, on met pas. Eh, tiens, des quicheurs, les vicados, toi! Gardez les vicados du dimanche! Bon, on apprend, les gars!
Franchement, commencez pas dans les commentaires à dire « Mais gros, mais t'es trop con !» Oui, on est con. Ah, du coup, tu le démontes quand même? Ah, bah ouais, faut le nettoyer, attends. Oh, mais lui, non. Ça va tomber par terre, on doit le relaver. Bon, ça aussi, on va peut-être le nettoyer, là. Parce que... Bon, ça, on le dépouille. Il y a un démonté d'office, ça. Mon avis, tu pourras même le changer. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, it's change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. Ici, c'est foiré. C'est de la merde. Du coup, bah, au grand problème, les grands remèdes. T'en sors? Mais c'est bon. Tout neuf. Hop, voilà. Bah enfin, fais cale bien. Voilà. Ah merde, oui. Bon. Eh, on y voit déjà mieux. C'est déjà pas mal. Et du coup, là, on voit bien. Regardez. Regardez là. Là, là. Juste là. Ça. Ici, là. Commence à couler. Ça, en soi, c'est rien. C'est dégueulasse. Non, mais c'est rien. Mais c'est dégueulasse. Ah bah. On va refaire tout neuf. Allez, allez. Le cri au champ, oui, c'est bizarre. Voilà. Wow, t'as eu de la chance. Attends, on va voir, on va voir. Eh, pour te dire à quel point, regarde. Regardez, les amis. Elle est incroyable. Eh, je suis sûr, il manque une dent. Il doit manquer une dent quelque part. Oh, mais non, elle est neuve. Elle aurait pu refaire 5000 carrément. Bah oui. Allez, elle est mangée quand même. Bah, enfin, bon, c'est le but de la changer. La courroie elle est prête, donc on n'a plus qu'à la démonter, plus qu'à la sortir. On va sortir les faut qu'on dégage les poulies pour avoir accès à la distribution. On va dégager la pompe à eau pour avoir, bah, pour en mettre une neuve parce que elle, je crois qu'elle est rincée. On va la sauter tout de suite. La pompe. Donc ça et puis voilà. Alors du coup, on a eu un problème, il y a une vis qui a pété, il a saqué une vis comme un sagouin, celle-là veut pas sortir, celle-là veut pas sortir, du coup, bah, au grand problème, les grands moyens. Attends, tu veux pas de l'eau au cas où? Ça joue bien? Ouais, ça joue bien. Allez, 2000 degrés. Ça change rien. Non. On va finir d'enlever les autres, ça va nous rassurer. Mais ça changera rien. Le problème, il sera là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, elle a fui. Mais oui. En fait, ça a tellement chauffé qu'ils se sont soudés dans le. C'est un gros problème, ça. Vite le con. Putain, c'est vraiment une catastrophe, ce truc là. Putain, en claquette en plus. Ah bah, il avait une envie pressante, je crois. De la pompe à eau, ça. Pas inquiet, c'est de l'origine. De toute façon, ça devait même être marqué. Tiens, regarde. T'as un grand signe, même si. Ah ouais. Regardez, 300 000 la pompe à eau carrément. Ah, 300 000. Regarde, le même logo que le bloc moteur. T'es bon. Chauffer n'est pas forcément une mauvaise idée. Ouais. Ah la connasse, elle a pété. Oh, t'as de la terre là-dedans carrément. Elle est mieux. Il y a de la terre. Regardez. D'origine la truc. Ouais, tu vas avoir le même problème. Putain, ouais, franchement. Mais là, il y a la durite. Ça, ça rend merde. De toute façon, Colorsta, il va sauter aussi. Regardez là. Ah, il y a une sorte de terre de ouais, merde. Ouais, a... ça a rouillé. Take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue.
come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. Wow. Je dirais de l'herbe. Ah, c'est possible. Oh, par contre, comment ça a rouillé là-dedans. Bah, ouais, ça a bloqué le fond, toi. Ouais. Non, bah voilà. Bah, du coup, c'est bon. La pompe à eau est retirée. Regardez-moi oh, ça. Oh, le joint, gain. Il est bien à 300 000. Gain, il est tout sec. Voilà. Donc là, on a l'ancienne pompe. Et la nouvelle. Enfin, c'est pas du tout la même, hein. Ah, il va être fin beau. Bon, il n'y a plus qu'à faire un système de contre-écrou et tout ça pour défaire cette merde. Il va être fin beau après. Là, tout ça va être un jeu d'enfant. Tu veux que je montre la technique? Vas-y, montre. Parce que, du coup, voilà, c'est ça. La vie s'est pété. On a réussi les autres, mais on a servi là. Bon, les amis, du coup, regardez. Regardez, ça se fait tout seul. Double écrou. Tout seul. On chauffe un peu, la vie ça sort. Bah si, ça se fait tout seul, regarde. Bah là, ta c'est... technique, ça marche. Arrête, parce que c'est la... ça souvent, tu crois que ça va et d'un coup, paf. Non mais ta technique, elle marche nickel, regarde. Ouais, pour l'instant, elle marche. Hop. Attends. Regarde, c'est sorti. Vie. Mais c'est sorti. De toute façon, on a remis ça au coupé percé. Ouais, mais ça sert à rien de couper percé. Bah maintenant, non. Voilà. Oui, c'est bon. A priori. Voilà, c'est bon. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, pour des raisons de plantage de caméra, pour une raison que j'ignore, je sais pas, ça me l'a jamais fait, donc bref, je vous fais une petite voix off pour vous expliquer, donc bah, vous avez vu la petite technique qui était là, qui est sympathique, qui est pas très dure, qui est facile à reproduire, donc voilà, vous chauffez, vous mettez deux petits boulons, et puis vous desserrez gentiment, normalement c'est censé sortir. Si jamais ça ne marche pas, bah, faudra percer, retarauder et tout ça, c'est un micmac. Mais si on peut essayer de sauver un taraudage, bah, voilà la petite technique pour le faire. Ensuite, du coup, bah, comme ça a planté, pour la suite, en fait, on va retirer toutes les courroies d'accessoires pour pouvoir avoir une place nette pour la courroie de distribution pour la prochaine fois. Et on terminera par nettoyer... tout le reste, refiler un petit coup sur le Jeep et puis voilà, ça sera tout beau, tout propre. Tout parfait. Bah parfait, c'est décollé ça. On n'a pas détendu la courroie, on n'a pas fait ça bien, mais bon. Comment tu la détends? Hein? Tu la détends pas? À la base, c'est censé la détendre. Alors là, avant de faire des conneries, tu vois. Parce que là, si tu fais, tu laisses comme ça, tu décales la disque. Bah ouais, c'est pour ça. Donc tu remets juste le boulon pour dire il saute pas. En fait tu vas desserrer ton... Là c'est le tendeur. Ouais. Tu desserres juste un peu la gueule doucement. Parce que c'est grippé ça. Toujours. Alors soit il est pas trop serré et tu le détends tout seul, soit faut desserrer juste un petit peu. Ouais. Et je pense qu'il faut le desserrer un tout petit peu. Ouais. Normalement, ça devrait y aller. Ouais, bah de toute façon, il a bougé. Hein. Attends. Ah, bah c'est bon. C'est la meilleure technique que moi. Ouais. Et voilà. Nickel. Ça, c'est nickel. Tout est neuf. Ça, c'est ta pompe de DA. Bon, on a sorti la bête là. On a sorti les chevaux. Ah, ouais, bah peut-être que le train à main, mon fils. Bah, ouais, peut-être. Attends, hop. Donc là, on va lui refiler un petit coup, histoire qu'il soit nickel. Là, sur les petits trucs qui sont dégueulasses. Comme ça, on fait un truc propre, un truc beau et un truc clean. Stop, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh god, adrenaline wasted. So mad I can take. Donc là on a fini de nettoyer le moteur, donc
il finit les 2-3 petits trucs qui restent à faire. Bon, avec une petite galère. Mais tout est en train de sécher par là. Tout est nickel, tout est propre. Donc le moteur aussi, regardez-moi ça. Regardez-moi cette belle bête, toute neuve. Et du coup, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour la première vidéo. Mais les autres vidéos arrivent très vite parce que du coup je vais les enchaîner assez rapidement pour que vous puissiez suivre assez vite et puis que vous attendiez pas 30 ans pour savoir où ça en est dans la restauration du Jeep. Pour aujourd'hui c'est fini et puis prochaine vidéo. Donc on s'attaquera à la courroie de distribution. Donc là on va tout caler, tout mettre et puis bien sûr pour ça je vous laisserai avec le Meister qui connaît le moteur par cœur. Et puis de toute façon il a des doigts de fée, de toute façon ça se voit. Regarde déjà la qualité du moteur, il est nickel. Donc je me fais pas de soucis là-dessus, donc il s'occupe de ça. Prochaine vidéo, on s'attaque à la courroie et après il restera plus qu'à remonter le moteur, vérifier les trains. J'ai quelques trous qu'il y a dans la carrosserie, tu vois comme là, ici. On va tout reboucher et puis après ça sera nickel. Et on ira faire un tour, on ira tester tout ça et puis... Et puis ça sera déjà nickel, le Jeep sera neuf, neuf sur le papier, comme dit le très cher Thierry Boiserie.